Comment est-ce qu'on arrive à éduquer ces jeunes? Donc il faut le faire via l'éducation. Mais pouvoir éduquer des jeunes dans des familles, il faut déjà que les parents eux-mêmes soient éduqués. Donc c'est pour ça que c'est important à travers les initiatives comme le Salon de l'Épargne. Cette conférence de presse était le lieu de présenter la 6e édition qui se tiendra les 9 et 10 novembre prochains au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire. C'est également le lieu de rappeler le thème de cette édition placé donc, sur la jeunesse. L'année 2023 ayant été décrétée par le président de la République, année de la jeunesse. Donc c'est important de repréciser le thème. C'est important de donner quelques chiffres pour expliquer quand même que le Salon de l'Épargne, c'est aujourd'hui plus de 10 000 personnes qui suivent, qui s'inscrivent, et c'est d'ailleurs le nombre de personnes que nous attendons. Le Salon de l'Épargne, les 5 éditions précédentes, c'était plus de 15 000 personnes que nous avons eues depuis 2018. C'est plus de 500 experts. Donc, et c'était aussi surtout le lieu de présenter les innovations de cette édition, comme l'apéro cash spécial Salon de l'Épargne que nous aurons donc en session plénière, comme le Young CEO Talk, comme le speed dating de la planification financière, qui permettra à tous ces jeunes de venir avoir des solutions concrètes à leurs problèmes d'épargne d'investissement en 10 minutes, qui vont expliquer un petit peu quelles sont leurs préoccupations et quelles sont les solutions qu'on est capable de leur apporter. Tout le monde investit. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour investir, il n'y a pas de montant. On peut commencer très jeune. Et comme on aime bien le rappeler, déposer de l'argent sur un compte d'épargne, ça reste un investissement qui est rémunéré à un taux faible, mais c'est un investissement quand même. Ce qui veut dire quelque part que c'est en commençant à épargner qu'on commence à avoir de l'argent pour commencer à penser à investissement. Donc c'est le lieu de rappeler qu'il n'y a pas de petit montant pour démarrer et c'est ce qu'on veut présenter aujourd'hui.